jours depuis qu'il est parti. 3 jours que je m'arrache les yeux à l'attendre. Ma vocation ne vient pas du cercle familial. Quoique le grand frère, il était artiste quelque part. Mais ça ne vient pas de la famille, ça vient plutôt d'une certaine fibre cachée en moi. C'est que je me suis dit, en tant que femme, dans un pays comme le Burkina, qui a majorité phallocrate, parce que nous avions, depuis le 12e siècle, l'épopée des Mossi, et qui était très organisée, la chefferie traditionnelle, et qui avait ses ministres, comme l'administration territoriale, l'administration coloniale. Exactement, c'est organisé depuis le 12e siècle. Et du coup, c'est très macho. Et du coup, il me dit, là, l'espace, le plateau, c'est l'endroit où je peux vraiment m'exprimer, quoi, en tant que femme. Et mieux exister simplement en tant que femme et pouvoir prendre la parole. Il ne reviendra pas. Mort. Non. Enchaîné. Libre. J'en étais sûre. Que fait-il? Il épouse la fille de Créon. Malheur de nous, tais-toi. Maintenant, nous y voilà. Fini la paix. Médée, l'heure vient de cracher le feu. Aujourd'hui, le Burkina est devenu un grand pays de la culture. Mais quand nous, on commençait le théâtre il y a une vingtaine d'années, le regard n'était pas pareil. Le regard qu'on posait sur la femme évoluant dans le milieu des arts du spectacle n'était pas le même regard qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Mais à l'époque, on ne prenait pas au sérieux. On nous assimilait à des filles qui mènent une vie de débauche. Surtout que c'est un métier où on travaille beaucoup la nuit, où on voyage beaucoup. Donc ces préjugés-là, nous, on voulait se lancer le défi de le relever. Donc c'est ça qui nous a motivés entre copines, évoluant dans le milieu des arts du spectacle. Et on a convoqué là d'autres, il y avait des femmes juristes aussi, des femmes, des enseignantes, donc des femmes dans le droit, dans l'enseignement, dans la culture. On s'est retrouvés en association et on a dit on va mener des activités avec nos sœurs qui sont dans les campagnes. Elle a toujours vaincu, quel qu'en soit le prix, la ruse. Le mensonge, la vengeance. Vous êtes le roi, vous êtes le maître, et c'est vous qui avez peur. Dès le berceau, quand on nous a regardé naître, on dit « Ah, c'est une fille, et on va nous éduquer comme une fille, et on va nous préparer à être une femme. » J'avais dit beaucoup de choses. Et donc, le regard de la société qui se pose sur nous, nous regarde comme des femmes. Et c'est à nous de prendre conscience que nous pouvons aussi apporter notre contribution à la société. Ce n'est pas facile parce qu'il y a une pression. Rien que le regard, comme dit Sartre, l'enfer c'est les autres. C'est-à-dire dans le regard, rien que le regard. Et donc, je pense que le théâtre permet de s'affranchir de tout ça. Parce que quand on monte sur le plateau, on est affranchi. Quand on est devant un public, on est affranchi, sinon on ne pourra pas monter. Donc c'est vraiment un bel espace d'exercice. Mais au-delà, c'est pas que vestimentaire, c'est pas que la beauté, c'est pas ça. C'est simplement que si je suis cultivée, si j'ai une réflexion, j'ai une connaissance de la vie, une dimension politique des choses, eh bien c'est déjà gagné, on est déjà franchi. Mais ça n'allait rien au respect des valeurs, au respect de l'autre. Mais c'est la pensée, c'est tout ça qui fait que quand j'ouvre ma bouche, eh bien, j'ai des choses à dire. Eh bien, en face, on doit m'écouter et les gens vont t'écouter. Ils vont te respecter parce que tu portes une dignité. Lui, il vient prendre les enfants. Laisse-les-moi si tu les aimes. J'en ferai des rois. Je veux voir la douleur lui tordre le cœur. Je veux le voir souffrir.